Ravie de vous accueillir ici dans le cadre de l'extension de l'Université de Mons, mais également pour cette conférence de manière un peu particulière dans le cadre de Mons Livre. Vous savez sans doute que le Salon du Livre à Mons se tiendra le 26 et le 27 novembre, que c'est le plus grand salon du livre de Wallonie. Il se tient dans un entrepôt de 4000 m² à Mons, au Loto Mons Expo. Et les parrains de cette année sont Raoul Convin et Lambil, donc vraiment tournés vers la bande dessinée. Voilà. Alors, nous avons collaboré pour accueillir aujourd'hui dans le cadre du cycle Regard croisé sur l'homosexualité David Furdeuse, qui est docteur en langue et en littérature ancienne de l'Université de Lille 3. Il est actuellement professeur à l'Athénée Royal Marguerite Burwood de Mons, et je suppose qu'il y a une série de ses étudiants, ce qui annonce bien, sauf s'il avait rendu la conférence obligatoire, mais ça m'étonnerait fort. Et alors, il collabore à différentes revues et il a publié une plaquette sur Priaps méconnu aux éditions c'est L'amant vert en 2015, et c'est le premier ouvrage qui a été publié sur ce dieu. Voilà. Alors, je lui cède tout de suite la parole pour nous introduire au regard sur l'homosexualité par l'angle historique. Voilà. Merci. Bonsoir. Donc ce soir, je vais vous parler de l'homosexualité dans l'Antiquité romaine, plus particulièrement, et sur l'interdiction de l'homosexualité. Voilà, alors c'est vrai que quand on pense à l'Antiquité, généralement l'erreur principale qu'on commet, c'est qu'on mélange l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine. Tout le monde parle toujours du monde gréco-romain, c'est une grave erreur puisque l'âge d'or des Romains et l'âge d'or des Grecs ne se situent pas en même temps. Certes, ce sont deux grandes civilisations antiques, certes, ils se sont côtoyés, ils se sont influencés l'un l'autre, mais ce n'est pas la même civilisation, il y a des différences, même s'ils ont les mêmes dieux par exemple. Voilà, donc on va voir un petit peu, je vais essayer de faire la part des choses, bien vous montrer ce que c'est l'homosexualité chez les Romains et ce que c'était chez les Grecs, quelle différence il y a entre les deux, et pourquoi chez les Grecs c'était admis, et pourquoi chez les Romains ça ne l'était pas, ce qui était admis et ce qui ne l'était pas. Voilà, alors quand on pense à l'Antiquité romaine, on pense toujours à une espèce d'âge d'or de l'homosexualité, on se dit oui, les Romains, leurs légendes sont pleines de dieux, de héros, qui commettent l'acte charnel aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, et c'est vrai, il y a tout plein de légendes qui évoquent ces dieux, ces héros, hein. Alors pour le monde romain, par exemple, on a la légende typiquement romaine de Nisus et Euryale. Alors vous voyez ici une sculpture qui illustre cette légende, une sculpture qui nous vient du musée du Louvre à Paris. Voilà, alors quelle est la légende de Nisus et Euryale? Je vous la raconte très rapidement. Donc Nisus et Euryale font partie des Romains primitifs en quelque sorte, c'est-à-dire ceux qui ont fondé l'ancêtre de la ville de Rome. Ils arrivent donc dans le Latium et là ils vont s'opposer à des populations locales. Et un beau jour, lors d'une bataille, Nisus et Euryale, qui sont amants, vont avoir une idée. À la faveur de la nuit, ils vont se glisser dans le camp ennemi pour aller faire un carnage et tuer notamment tous leurs généraux. Malheureusement, dans leur entreprise un petit peu périlleuse, l'un des deux va avoir une idée de génie. Il va voler le casque d'un général ennemi et il va le porter. Le problème, c'est que c'est la pleine lune. La lumière de la lune va se refléter dans le casque. Nisus et Euryale ont beau se cacher, ils sont découverts à cause du reflet de la lune sur ce casque. Du coup, celui qui portait le casque est tué
et celui des deux qui survivait eh bien, va décider de se venger et de mourir par amour pour l'autre en emportant avec lui dans la tombe le plus possible d'ennemis. Voilà, c'est ce que vous voyez sur cette représentation, hein. Vous avez les deux amants en train d'agoniser. Alors ce qu'on oublie souvent, c'est que dans des légendes comme celle-là, eh bien, ce ne sont pas des légendes vraiment romaines. Celle-ci, c'est une légende qui n'existe qu'en langue latine, mais Nisus et Euryale, eux, ne sont pas romains, puisque ce sont des héros troyens, donc ils viennent d'Asie mineure. Voilà, donc une telle histoire n'aurait pas pu se passer véritablement avec des héros romains dans le monde romain. Alors d'un point de vue historique, quand on parle de l'homosexualité dans l'Antiquité romaine, on pense tout de suite à des couples célèbres. Quel couple célèbre tout le monde connaît ? Eh bien, le couple formé par l'empereur Adrien, voilà, et par son petit ami, le bel Antinous. Cette histoire d'amour a été popularisée par un grand écrivain français, Marguerite Yourcenar, dans ses Mémoires d'Adrien. Voilà. Alors, cette histoire d'amour qui est tragique en même temps, belle et tragique, bien que nous raconte-t-elle ? Donc, le couple s'entend à merveille, et c'est vrai que ce sont deux amants qui vivent ensemble, tout va très très bien. Antinous est beaucoup plus jeune que son amant, l'empereur Adrien, et Antinous n'a qu'une seule peur, c'est de survivre à son amant Adrien. Et il aime tellement Adrien qu'il, d'après Marguerite Yourcenar, qu'il voudrait prolonger la vie d'Adrien qu'il aime plus que lui-même. Et donc, par l'entremise d'une espèce de secte égyptienne, il va décider de faire le sacrifice des années qui lui restent à vivre pour prolonger d'autant d'années la vie de l'empereur Adrien. Du moins, c'est ce que nous explique Marguerite Yourcenar, qui fonde son roman historique sur des recherches sérieuses, hein, mais c'est tout de même très romancé. En fait, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, Antinous meurt, et Adrien, par amour pour lui, va même aller jusqu'à déifier son amant. Il va faire construire des temples en l'honneur d'Antinous, qui est sans doute l'homme antique le plus, dont on connaît le mieux le visage et l'apparence physique. Ce qu'on oublie souvent de dire quand on parle de l'histoire d'amour d'Antinous et de l'empereur Adrien, c'est que Antinous n'est pas romain, c'est un bithynien, il n'a pas le statut de citoyen romain, et puis en plus, l'empereur Adrien, il est marié à Sabine, une femme d'une très bonne famille, donc on ne peut pas véritablement parler de couple homosexuel. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver finalement dans l'histoire romaine, tant dans la mythologie, qui est souvent d'inspiration grecque, que dans l'histoire historique, la vraie histoire, de couple homo, véritablement? Eh bien tout simplement parce que dans l'Antiquité, l'homosexualité n'existe pas. Ce n'est même pas qu'elle est interdite, c'est qu'elle n'est pas concevable, elle n'existe pas. Alors quand je dis ça, j'ai un petit peu l'impression de plagier Poutine quand il disait qu'en Russie, il n'y avait pas d'homosexuels. Dans la Rome antique, en tout cas, c'est vrai. Il n'y a pas d'homosexualité, on ne peut pas parler d'homosexualité, puisque en latin, il n'y a aucun mot désignant le comportement typiquement homosexuel. Ça n'existe pas dans la langue latine. Le mot homosexuel date du 19e siècle, de 1890 à peu près. Voilà, au regard de l'histoire, ça n'existe pas. En fait, il est très difficile de retrouver des traces de l'homosexualité dans l'Antiquité, puisque le mot n'existe pas. Et puis, pendant très longtemps, les gens n'ont pas ressenti l'obligation de se choisir une sexualité et d'adopter le comportement que la société attendait par rapport à cette sexualité. À l'heure actuelle, quand on parle d'homosexuel ou de gay, pour le terme le plus populaire, tout le monde imagine un type de comportement lié à cette sexualité. Dans le temps, ça n'existait pas. Ça, c'est très récent au regard de l'histoire. Ça date des années 70, de la grande révolution des mœurs des années 70. Avant, on n'en parlait pas. Et le grave problème qu'on a eu au regard de l'histoire vis-à-vis de cela, c'est qu'en fait, à partir des années 1970, on a des historiens de la cause gay qui ont tenté de retracer, depuis quasiment la préhistoire, l'histoire de l'homosexualité jusqu'à notre époque. Ce qui est une grave erreur, puisqu'en fait, avant le 19e siècle, et même avant 1970, on ne parle pas véritablement d'homosexualité, et les gens ne se sentent pas obligés donc, de choisir une sexualité et un comportement adapté à cette sexualité. Pour étayer un petit peu mon propos, je vais tout au long de cette soirée vous donner quelques exemples, et je vais vous donner, pour commencer, l'exemple de Cicéron. Alors Cicéron, c'est un homme politique romain que tout le monde connaît, un grand orateur, un grand homme politique. Il a été consul romain. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un consul, c'est l'équivalent pour nous de président de la République. Donc c'est quelque chose de relativement important. Donc Cicéron est un grand homme romain, c'est indéniable. Et Cicéron, pour les historiens de la cause gay, Cicéron, c'est l'ennemi des gays. Pourquoi ? Parce que Cicéron, dans ses discours, qu'ils soient destinés au tribunal ou qu'ils soient destinés à la curie, eh bien Cicéron
Dans ses discours, il n'a de cesse de critiquer ses adversaires en les accusant de ce que nous pourrions appeler des actes homosexuels. Donc il n'arrête pas, vraiment, tout le temps, il n'arrête pas de les diffamer, de les traîner dans la boue, en toujours montrant la preuve qu'ils ont commis des actes que nous appellerions homosexuels. Et ça, c'est très curieux, parce que Cicéron, ça c'est ce qu'il dit dans ses discours publics, officiels, les discours qu'il prononce dans la journée, mais si on compare ses discours aux lettres que Cicéron envoie à ses familiers, à ses intimes, eh bien on constate qu'il en va tout autrement. Dans ses lettres privées, Cicéron, lettre qu'on a conservée, hein, Cicéron avoue se lever la nuit pour aller voler en secret de doux baisers à son jeune et beau secrétaire. Alors on se dit, bah tiens, c'est curieux. Quel hypocrite ce Cicéron. Pendant la journée, il critique les homos, et puis la nuit, il commet lui-même des actes répréhensibles, des actes homosexuels. Alors on pourrait penser que c'est de l'hypocrisie sociale, pas du tout. En fait, là, on met le doigt sur l'ambiguïté de toute la société romaine. Il y avait des choses qui étaient acceptables pour la société, qui étaient même normales, et des choses qui n'étaient pas et qui étaient interdites, qui étaient au moins très mal vues. Et donc, on va essayer de déterminer, à l'aide d'exemples, ce qui était autorisé et ce qui ne l'était pas. Autrement dit, ce que Cicéron critique et ce qu'il accepte, ce qu'il juge tout à fait acceptable pour lui-même et pour les autres d'ailleurs. Alors, c'est toute la difficulté d'étudier aussi une société antique, du moins la sexualité d'une société antique, c'est qu'en fait, cette civilisation très riche et raffinée qu'était la Rome antique a totalement disparu. On n'a aucun témoin vivant qui pourrait nous parler de la sexualité dans l'Antiquité, et tout ce qu'on sait de la sexualité dans l'Antiquité, ben, c'est ce qu'on retrouve. Alors, c'est-à-dire dans des ruines, alors à Pompéi, Herculanum, on retrouve beaucoup de choses, mais on n'a pas de texte. Et puis, ben, dans les textes qui nous ont été transmis au cours des siècles, le problème, c'est que ces textes, ils nous ont été transmis par les moines copistes, et vous pensez bien que les moines copistes, ils ne vont pas recopier des textes qu'ils jugeront amoraux. Donc les moines copistes, ils vont faire un tri dans ces textes, ne donner que des textes qu'ils jugent d'une moralité irréprochable, et donc évidemment des textes qui ne parlent pas ouvertement de la sexualité. Voilà. Donc c'est extrêmement compliqué de reconstituer la sexualité antique. Il faut lire entre les lignes, étudier les comptes rendus de procès, par exemple, pour voir ce que les Romains acceptaient et ce qu'ils n'acceptaient pas, surtout en matière d'homosexualité. Alors on va essayer de voir, tout au long de cette soirée, bien quelle est la sexualité qui dérange les Romains, qui dérange Cicéron, et la sexualité qui ne les dérange pas et qui est acceptée par tout le monde. On va voir un petit peu. Alors pour bien comprendre, il faut savoir que les Romains divisent la société en deux catégories d'individus. On a d'une part les dominants et d'autre part les dominés. Alors qui sont les dominants? Les dominants sont les hommes libres, les citoyens romains. Donc les citoyens romains, ça ne peut être que des hommes, voilà, qui sont tous égaux en droit, et ces hommes, ils peuvent être aussi bien riches et puissants que pauvres et apolitiques. Peu importe, ils ont le statut de citoyens romains. Ce sont les hommes adultes qui ont le droit de vote et qui sont capables de procréer. Voilà qui sont les citoyens romains, les dominants. À côté de ça, on a les dominés. Qui sont les dominés? C'est pas dur, c'est tous les autres. Alors, en premier lieu, chez les dominés, on a évidemment les femmes. Les femmes, même les femmes libres, font partie de la classe des dominés. Voilà. Donc on a les femmes, on a les enfants. Alors les enfants font aussi partie de la catégorie des dominés. Les enfants, c'est plus compliqué parce que ce sont des dominants en puissance, surtout si ce sont des garçons. Donc forcément, les enfants, même s'ils sont des dominés, vont devoir adopter un comportement qui va les protéger parce qu'ils savent qu'un jour, ils vont eux-mêmes devenir des dominants et donc ils doivent se protéger en toute occasion. Je vous expliquerai de quoi par la suite. Et puis ensuite, évidemment, on a les sous-catégories. Parmi les dominés, on a aussi évidemment les esclaves. Là, vous voyez un collier d'esclaves hein, sur lequel on a son nom, le nom de son propriétaire et ce qu'il sait faire. Et puis on a les affranchis. Alors les affranchis sont des esclaves qui ont été libérés de l'esclavage. Voilà. Tous les dominés sont à un degré variable au service des dominants. Au service à tout point de vue, y compris et surtout au service sexuellement des dominants. Et donc, à ce propos, au sujet de la domination sexuelle qu'exercent les dominants sur les dominés, eh bien, les Romains ont une devise. Ce qui est une infamie chez un homme libre, c'est-à-dire l'homosexualité par exemple, hein, est un devoir pour un esclave et un service pour un affranchi. Donc ça, c'est quelque chose que les Romains ont constamment à l'esprit. Et quand on connaît cette devise, on se dit, bon, donc si on résume, l'homosexualité, c'est acceptable quand on la pratique avec un esclave, avec un affranchi, voilà. Alors on peut même préciser en disant qu'on parle de sodomie, finalement. On peut sodomiser son épouse. Donc la sodomie est acceptable avec une femme,
peut-être même avec un enfant, hein, à condition que ce soit pas, qu'il ne soit pas appelé à devenir un citoyen romain, est acceptable avec un esclave, avec un affranchi, mais pas entre deux hommes libres, deux citoyens. Bon, ça c'est ce qu'on peut se dire dans un premier temps. Et puis un jour, on a découvert ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est ? C'est la coupe Warren. La coupe Warren, elle est extrêmement célèbre. C'est l'objet le plus cher du monde, en raison de son prix. Je crois qu'il a été vendu à 1 800 000 euros, ou quelque chose comme ça. Pour un objet de cette taille-là, bah, ça en fait l'objet le plus cher du monde. Voilà. Donc, cette coupe Warren, elle est extrêmement célèbre. Qu'est-ce qui fait son prix ? Qu'est-ce qui fait sa préciosité ? Elle est exposée depuis quelques années au British Museum. Hein, c'est lui qui en a fait l'acquisition. Pourquoi est-elle si célèbre, cette coupe Warren ? Eh bien, c'est le seul objet romain qui ne soit pas d'inspiration grecque et qui nous montre deux hommes libres, deux citoyens, égaux en droit, représentés dans un acte de sodomie. Voilà. Donc c'est ce qui a fait sa réputation à cette coupe Warren. Et cet objet a permis de faire un grand bond en avant dans les connaissances qu'on avait de l'Antiquité. Parce que cet objet, qui est une pièce unique, on n'a pas d'autre exemple, cet objet prouve que finalement, c'est un objet qui servait à table, hein, donc qui n'avait rien d'honteux, cet objet prouve que chez les Romains, il existait une certaine homosexualité entre citoyens. Donc cette devise qu'on avait crue parole d'évangile au préalable, ce qui est une infamie chez un homme libre est un devoir pour un esclave et un service pour un affranchi, eh bien cette devise était un petit peu démontée, du moins ce qu'on en avait déduit, par cette coupe Warren. Et donc on a compris qu'il fallait un peu préciser le propos. Et donc en réfléchissant, on s'est dit, mais finalement, peut-être qu'il y a eu des couples d'homosexuels d'hommes ou de femmes dans l'Antiquité romaine, mais qu'ils n'ont pas laissé de traces dans l'histoire. Pourquoi n'ont-ils pas laissé de traces dans l'histoire ? Soit parce qu'on l'a perdu, cette trace, soit parce qu'en fait, ça ne choquait personne à l'époque. Autrement dit, qu'est-ce qui choquait les gens à l'époque ? Si on se penche un petit peu plus sur cette devise des Romains, on constate que ce qui fait la différence entre un citoyen et un dominé, c'est-à-dire un esclave ou un affranchi, c'est que l'esclave ou l'affranchi, ils attendent quelque chose en échange. Ils sont sous la domination du dominant. Et donc ils attendent en échange un bienfait, un peu d'argent, un meilleur traitement, etc. Ils attendent quelque chose. Et donc ce qui n'est pas acceptable en fait pour un Romain, c'est qu'un citoyen soit soumis au plaisir sexuel d'un autre citoyen, tout simplement. Ça c'est ce que la morale publique réprime totalement. Voilà. Alors tout au long de cette soirée, j'ai tenté de vous le prouver, je vais vous donner des exemples, issus de procès notamment. Hein. Voilà. Et donc ici, bien, si vous regardez sur la coupe Warren, vous voyez notamment ici un petit esclave qui vient surprendre la scène où il voit ses maîtres, peut-être, hein, en tout cas deux citoyens romains, surpris en plein acte sexuel. Voilà. Alors comme exemple, pour illustrer mon propos, comme premier exemple, je vais vous donner l'exemple de l'Éphèbe de Pergame. Donc c'est une histoire connue, issue de la littérature. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle nous a rapporté dans le Satyricon de Pétrone. Alors, le Satyricon de Pétrone, c'est une mine d'or pour les recherches sur l'homosexualité dans l'Antiquité, parce que c'est le seul roman gay, si on peut dire, qu'on a conservé et qui date de l'époque antique. C'est un roman qui date du 2e ou du 3e siècle, on ne sait pas trop. On a conservé que 3 livres sur les 24 qu'il comprenait, mais c'est le seul roman qui met en scène des héros qu'on pourrait qualifier d'homosexuels à l'heure actuelle. Donc, dans ce roman, on nous raconte l'histoire de l'Éphèbe de Pergame. C'est quoi cette histoire ? Eh bien, l'histoire se passe donc à Pergame, c'est évident, et elle nous raconte qu'un homme lettré, universitaire, a été choisi par une famille de la bonne bourgeoisie locale pour devenir le précepteur de leur fils. Il est donc employé par le chef de famille pour éduquer le fils. Il est important de préciser qu'ils sont tous les deux citoyens romains. Donc, aussi bien le précepteur que le fils, il n'y a aucun rapport hiérarchique entre eux. L'homme est au service du père, mais pas au service du fils. Il est juste employé pour lui donner des leçons de littérature. Le jeune homme est très beau. Le jeune homme est très beau, ce qui fait que le professeur ne tarde pas à éprouver un certain désir d'ordre sexuel pour ce garçon. Mais il a très peur que s'il proposait quoi que ce soit au garçon, qui a le même statut social que lui, le garçon n'aille le répéter à son père. La réaction du père ne serait pas à attendre, le professeur serait sans doute renvoyé. Et le vieux professeur, il a une trentaine d'années, mais le professeur n'a pas envie de perdre son emploi. Donc il laisse le temps passer, il se dit que son désir va décroître, rien n'y fait. Or, quelques mois plus tard, l'élève et le professeur assistent à un banquet. Le banquet se termine fort tard dans la nuit, ils ont tous les deux bien mangé, énormément bu, et le hasard fait qu'ils vont s'endormir dans le même lit l'un et l'autre. Donc ils s'endorment dans le même lit, puis au beau milieu de la nuit, bon, quand on boit, généralement on dort mal,
Donc au beau milieu de la nuit, le professeur se réveille et constate qu'à côté de lui, le garçon a certes les yeux fermés, mais qu'il ne dort pas non plus. Visiblement, il a lui aussi été éveillé par l'ivresse, son sommeil est agité, donc il s'est réveillé, il ne dort pas, mais il garde la position du dormeur en espérant pouvoir se rendormir. Et là, le professeur se dit qu'il va tenter sa chance. Il va décider de faire une proposition au garçon, mais une proposition qui sera formulée de telle façon que le garçon ne pourra pas s'en offusquer, et donc ne pourra rien dire à son père. Le professeur fait semblant de ne pas voir que le garçon est éveillé et fait une supplication au dieu à voix haute. Que dit-il ? Eh bien ceci. « Ô puissante déesse Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour, si tu fais en sorte que je puisse embrasser ce garçon sans qu'il se réveille, eh bien demain, je lui ferai l'offrande, je lui offrirai deux beaux coqs de combat. » Le garçon, attiré par le cadeau, fait évidemment semblant de dormir. Et donc son professeur peut l'embrasser autant qu'il le veut. Le garçon n'a jamais aussi bien dormi de sa vie. Et le lendemain matin, tout content, il reçoit les deux coqs. L'histoire est close. Quelque temps plus tard, la même circonstance se présente. Professeur et élève s'endorment dans le même lit, et au beau milieu de la nuit, le professeur se réveille, voit que l'élève ne dort pas, et décide de tenter sa chance une fois de plus, mais en allant un petit peu plus loin. C'est logique, ça a marché la première fois, donc pourquoi ne pas poursuivre ? Et donc cette fois-ci, il fait sa supplique à Vénus, et il dit « Ô puissante déesse Vénus, si tu fais en sorte que je puisse caresser l'enfant sans qu'il se réveille, eh bien demain, je lui offrirai pour le dédommager deux beaux chiens de course. » L'enfant, évidemment, n'a jamais aussi bien dormi de sa vie. Et le lendemain matin, après que son professeur ait pu le caresser autant qu'il le désirait, eh bien, le professeur lui offre ses deux beaux chiens. Le garçon est tout content, il s'amuse avec les animaux. Et quelque temps plus tard, la même circonstance se présente à nouveau. Cette fois-ci, le professeur tente le tout pour le tout, fait sa supplique à Vénus et dit « Ô puissante déesse Vénus, si tu fais en sorte que je puisse cette fois-ci sodomiser le garçon sans qu'il se réveille, eh bien demain, je lui offrirai un superbe cheval de concours. » Le garçon, on s'en doute, n'a jamais aussi bien dormi de sa vie. Il va même jusqu'à ronfler, faire semblant du moins, et le professeur prend son plaisir. Le lendemain matin, pas de cadeau. Pourquoi ? Bien, le professeur a réfléchi et s'est dit « Si j'offre le cheval, le père va finir par se poser des questions, et je risque de perdre ma place, moi. » Et donc il se dit « Je ne vais rien offrir, et je vais attendre, on verra bien. » Le temps passe, et quelques semaines plus tard, le garçon va voir son professeur et dit « Dis donc, tu ne m'avais pas promis un cadeau ?» Il dit « Ah non, je ne me souviens pas. »« Si, si, un cheval, souviens-toi » Et le garçon lui raconte toute l'histoire. Le professeur lui dit « Ah, donc tu faisais semblant de dormir. » « Eh bien non, tu n'auras rien, je ne te donnerai pas ce cadeau. » Le garçon dit « Si tu ne me le donnes pas, je dirai tout à mon père. » Ainsi, il menace son professeur de le faire renvoyer. C'est tout ce que risque le professeur. Il a fait des propositions au garçon, le garçon était libre de refuser, le garçon les a acceptées, il s'est prostitué. Le professeur réfléchit et dit « Eh bien non, si tu continues, c'est moi qui irai tout dire à ton père. » Et là, le garçon a beaucoup plus à perdre parce que comme son attitude est assimilée à la prostitution, eh bien on va se dire qu'il s'est asservi de lui-même au plaisir d'un autre homme dans l'attente de quelque chose, c'est de la servitude, et donc dans ce cas-là, eh bien, il risque l'opprobre général. Son père pourrait même aller jusqu'à le condamner à mort puisque le père, le chef de famille, a droit de vie et de mort sur tout ce qu'il vit chez lui. Et donc bah, forcément, le jeune homme a tout à perdre et donc va se taire. Et l'histoire continue, le professeur continue son récit et dit que par la suite, bien, le garçon a accepté de coucher avec lui sans rien demander en retour, ce qui les met sur un pied d'égalité, comme ça ils sont tous les deux protégés, on ne peut plus rien leur dire. Donc on voit bien grâce à cette histoire que l'homosexualité dans l'Antiquité est finalement parfaitement admise. Ce qui n'est pas admis, c'est l'asservissement d'un citoyen au plaisir d'un autre citoyen dans l'attente de quelque chose. Voilà, alors... Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein. L'acte sexuel passif n'est pas condamné, ça aurait pu être l'inverse, ça aurait été exactement pareil. L'acte sexuel passif n'est pas condamné, l'homosexualité n'est pas condamnée non plus, et c'est ce qui met en lumière, c'est ce qui explique les attitudes de Cicéron. Cicéron peut tout à fait attaquer des gens qui se sont prostitués, c'est-à-dire qui, à des fins politiques, ou à des fins économiques se sont asservis au plaisir sexuel d'un autre homme, de façon passive ou active, peu importe, mais il est tout à fait en droit de les attaquer puisque la société condamne cela, pas la loi, mais la société condamne cela. Le corps masculin est tout à fait érotisé dans l'Antiquité, et il est donc tout à fait normal que Cicéron, la nuit, se lève pour aller voler des baisers à son jeune et beau secrétaire. Cela n'a rien de condamnable par l'opinion publique puisque son secrétaire, de toute façon, n'est jamais qu'un esclave ou un affranchi. Il dépend de lui.
Donc voilà, donc ça n'a rien à voir avec finalement ce que nous pourrions appeler l'homosexualité, c'est l'asservissement d'un homme au plaisir d'un autre homme qui est condamné par la société, par les gens, pas par la loi. Et finalement, l'homosexualité féminine, puisqu'il faut bien en parler aussi, eh bien, elle n'a pas lieu d'être. L'homosexualité féminine, pour un Romain, ça n'a aucune importance, puisque les femmes ne sont pas des citoyens romains. Les femmes ne sont pas... Les femmes sont égales entre elles, mais n'ont pas le statut de citoyen. Les femmes ne votent pas. Donc les femmes appartiennent à la catégorie de dominées, donc les femmes entre elles, finalement, peuvent faire ce qu'elles veulent. Aucune femme ne sera jamais asservie au plaisir d'une autre femme. On ne parle pas en termes de citoyens. Voilà. Donc j'espère avoir été assez clair à ce sujet-là, et je vais donc pouvoir passer à un autre exemple. Donc, pour un Romain, ce type de déshonneur, c'est-à-dire le fait qu'un homme s'asservisse au plaisir sexuel d'un autre homme, j'entends par homme citoyen, eh bien les Romains appellent ça un stuprum, un stupre. Et donc le stupre est ce qui peut entacher l'honneur d'un citoyen et ce contre quoi il doit se garder en permanence. Je vais vous montrer l'exemple de Titus Veturius. Alors l'exemple de Titus Veturius nous montre bien que ce qui importe, c'est l'opinion publique et que la loi ne se mêle pas finalement de l'homosexualité. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc Titus Veturius, c'est le fils du consul Titus Veturius Calvinus. Donc Titus Veturius Calvinus a été deux fois durant sa carrière politique consul de Rome, donc c'est quelqu'un de relativement important. Et durant son second mandat, Titus Veturius Calvinus, donc le père, a perdu une bataille contre les Samnites. Il n'y a rien de déshonorant à perdre une bataille, ça arrive fréquemment. Mais ce qui est déshonorant, c'est la manière dont il a perdu. Il a perdu cette bataille sans même avoir besoin de combattre. Il se fait prendre au piège par les Samnites, son armée n'a même pas combattu et il a perdu la bataille. Donc ça, évidemment, c'est un déshonneur total. Les Samnites vont appuyer leur victoire et vont forcer le général, tous ses officiers et une partie de l'armée à défiler nus sous les fourches caudines. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de fourche caudine? Si vous voyez, ici on le voit un petit peu, donc les fourches caudines, c'est une espèce d'arc du déshonneur. Tout le monde connaît les arcs de triomphe, mais les fourches caudines, c'est pareil, sauf que c'est pour l'inverse du triomphe, c'est pour le déshonneur. Donc on fabrique les fourches caudines et l'armée défile nue en dessous. Quand dans un texte romain, vous avez le mot nudus, on traduit par nu, il faut se méfier. Pour un romain, ce terme ne sert pas à qualifier la nudité. Quand un romain dit qu'il est nu, ça veut dire qu'il ne porte pas les insignes correspondant au lieu dans lequel il se trouve. Les insignes, c'est ce qui permet de reconnaître, par exemple, votre statut social. L'insigne d'un citoyen dans la rue, c'est sa toge. L'insigne d'un général, c'est sa cuirasse. Donc, quand on dit que l'armée défile nue, ça veut dire que les soldats défilent sans cuirasse et sans armes, mais ils portent leur tunique. Voilà. Donc, il défile avec son armée sous les fourches caudines. Quand il revient à Rome, quand les Samnites le laissent enfin partir, quand il revient à Rome, le Sénat romain l'attaque en justice et il est condamné et il va donc être mis à mort. Donc le père meurt. Il appartenait évidemment à la bonne société, il était consul. N'importe qui ne devient pas président de la République en France, par exemple. Donc il appartient à la très bonne société et donc son fils est contraint de lui rendre les derniers honneurs funèbres. S'il ne le faisait pas, le fils perdrait son honneur. Or, le fils espère bien, un jour ou l'autre, lui aussi faire une carrière politique. Donc, il faut qu'il ne perde pas son honneur, qu'il ne risque pas le stuprum, et donc qu'il rende à son père les derniers honneurs qui sont dus à un consul mort dans l'exercice de ses fonctions. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Le problème, c'est que tous les biens de la famille ont été confisqués par l'État. L'État s'est remboursé sur les biens de la famille pour payer la dette que les Samnites, pour payer la rançon que les Samnites avaient exigée pour la restitution du général. Donc, la famille est totalement ruinée, ils n'ont plus rien, et le fils doit organiser des funérailles dignes d'un consul. Donc comment va-t-il faire? Eh bien, il va s'endetter. Il va emprunter de l'argent à un certain Caius Plotius, qui est très riche, tout en sachant qu'avant des années, il n'aura pas les moyens de rembourser sa dette. La loi romaine prévoit ce type de cas de figure. Quand dans l'Antiquité, vous avez des dettes que vous êtes incapable de rembourser, eh bien, vous devenez l'esclave pour dette pendant une période déterminée par votre statut social et la somme que vous devez. Donc vous devenez l'esclave pour dette de votre débiteur. Et donc le jeune Titus Veturius, qui appartient à la meilleure société qui soit, à l'élite de la société, se retrouve esclave pour dette de Caius Plotius, pour sauver son honneur. Ce qui veut dire que pendant un laps de temps déterminé, son statut de citoyen romain est suspendu. Or, Caius Plotius a en tête la devise romaine, ce qui est une infamie pour un homme libre, est un devoir pour un esclave et un service pour un affranchi. Comme Titus Veturius est très beau,
Caius Plotius se croit en droit d'exiger des faveurs sexuelles. Alors on ne précise même pas ici si c'est passif ou actif, ça n'a aucune importance. Donc, et donc se pense donc en droit d'exiger des faveurs sexuelles de la part de Titus Veturius. Le jeune homme réfléchit et se dit que s'il accepte, eh bien là, il subira un stupre. Ça ne fait rien aux yeux de la société que pour sauver l'honneur familial, il devienne esclave pendant un an ou deux de Caius Plotius. Ça ne change rien à sa vie. Par contre, si le bruit se répandait que alors qu'il était esclave, il a accepté de donner des faveurs sexuelles à Caius Plotius, son débiteur et son maître, eh bien dans ce cas-là, sa carrière politique serait réduite à néant, parce que son honneur serait entaché d'un stupre. Et donc, Titus Veturius refuse ce qu'il doit à son maître. Il est fouetté, et du coup, il décide d'aller porter plainte. Il porte l'affaire devant le tribunal. Le tribunal lui donne raison, parce qu'il estime que le garçon a eu raison de défendre son honneur. Son honneur est plus important. Rien n'est plus important aux yeux d'un Romain que la pureté du sang romain. Et c'est Caius Plotius qui est condamné, qui reçoit une amende qu'il doit en plus payer au garçon et qui est conduit directement en prison. Donc vous voyez, la loi, l'opinion publique condamne l'asservissement d'un citoyen au plaisir d'un autre citoyen quand il le fait de son plein gré. Ça, c'est ce que condamne l'opinion publique. Maintenant, ce que condamne la loi, c'est l'abus de pouvoir. Donc la loi surveille cela de très près aussi. Et donc la loi ne supporte pas quand un citoyen romain abuse de son autorité ou de son pouvoir pour asservir à son plaisir un autre citoyen romain. C'est ce qui a protégé ici Titus Veturius. Ce qu'il a protégé aussi, c'est son attitude irréprochable. Pour quelle raison ? Parce que s'il n'avait pas eu cette attitude honorable, la loi ne l'aurait pas protégé. S'il n'avait pas organisé des funérailles pour son père, bon, vous me direz qu'il n'aurait pas eu besoin de s'endetter, mais s'il n'avait pas organisé ses funérailles, la loi l'aurait moins bien protégé, puisqu'il n'aurait pas montré la piété filiale ni l'honneur qui était dû à son père. Donc, les Romains jouissent d'une certaine liberté sexuelle, on l'a compris, mais d'une liberté sexuelle qui est dangereuse, puisqu'ils sont constamment soumis au regard des autres. Et donc, il ne faut surtout pas qu'à un moment donné, l'opinion publique juge qu'ils se sont asservis au plaisir d'un autre homme. Autrement dit, si vous voulez vivre en couple avec un autre homme, avec un autre citoyen romain, libre à vous, mais choisissez-le dans la même catégorie sociale que vous. Sinon, vous risquez à tout moment qu'on vous suspecte de l'avoir fait par intérêt. Voilà. Ce qui n'est pas condamnable par la loi, hein, si vous le faites de votre propre chef. Donc, ils jouissent d'une relative liberté sexuelle, mais ils vont devoir faire attention. Et il y a des endroits où il faut faire plus attention qu'ailleurs. Le lieu de tous les dangers, c'est l'armée. Pourquoi l'armée ? Eh bien parce qu'à l'armée, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes pour satisfaire vos désirs. Si vous êtes un simple soldat, il n'y a pas d'esclaves non plus, et il n'y a pas non plus d'affranchis pour satisfaire vos désirs. Autrement dit, vous avez plein de jeunes hommes qui sont là, plus ou moins livrés à eux-mêmes, sous les ordres d'officiers, de supérieurs, qui sont là livrés à eux-mêmes et qui sont tous entre eux. Des hommes qui ont le même âge, qui sont musclés par l'exercice physique et bronzés par le soleil. Bref, des hommes qui sont relativement en pleine force de l'âge et qui sont beaux à regarder. Or, vous vous souvenez, le corps masculin, dans la société antique romaine, il est érotisé. Donc forcément, à l'armée, on va avoir une prépondérance d'actes homosexuels énorme. Donc tout favorise à l'armée les amours homosexuels. Et donc à l'armée, il faut faire attention. À l'armée, il faut faire attention. D'ailleurs, le plus grand nombre de procès qui concernent ce que nous pourrions appeler l'homosexualité dans l'Antiquité romaine, eh bien, ont l'armée pour cadre. Donc, énormément de procès qui nous aident bien à comprendre comment ça fonctionnait. Dans tous ces procès, quand on les observe, eh bien, on se rend compte que ces procès ne concernent jamais des histoires d'amour, on pourrait dire, hein, des histoires d'amour entre simples soldats. Pourquoi ? Parce que les soldats sont égaux entre eux. Donc, quand ils décident de faire l'amour entre eux, il n'y a pas d'asservissement possible d'un homme au plaisir d'un autre homme. Donc forcément, il ne risque absolument rien. C'est sans doute pour cette raison-là qu'on n'a pas de procès qui rend compte d'histoires de ce type-là. Il en va de même avec les officiers. Il en va de même avec les officiers parce que forcément, un homme pourrait choisir de s'asservir au plaisir d'un officier dans le but d'avoir de l'avancement, par exemple. Alors dans ce cas-là, c'est lui qui entacherait son honneur d'un stuproom, l'officier ne risquerait pas grand-chose. Mais on peut avoir aussi l'effet inverse. Le cas inverse, on peut avoir un officier qui proposerait à un garçon de coucher avec lui, activement ou passivement, ça n'a pas d'importance, en échange de promotion. Et dans ce cas-là, ce serait assimilé à la prostitution, ce ne serait pas spécialement bien vu.
L'officier peut aussi menacer le garçon. S'il ne le fait pas, il peut y avoir des représailles, des corvées, des tâches humiliantes à effectuer, des retraits de permission de sortie, et ainsi de suite. Donc c'est de cela que vont nous parler tous ces procès, tous ces comptes rendus de procès qu'on a conservés de l'Antiquité et qui nous parlent d'actes homosexuels à l'armée. C'est toujours des procès qui opposent un simple soldat et un officier. Je vais vous donner un exemple. En fait, ce que craignent les Romains, c'est l'abus de pouvoir. Je vais vous donner un exemple, l'exemple de Trébonius. Donc Trébonius, c'est un jeune homme de la petite bourgeoisie, il n'a rien de particulier, mais il est très beau. Et Trébonius va à l'armée, il est simple soldat, et ne tarde pas à s'apercevoir que son officier qui est le neveu du consul, alors un consul très célèbre, le consul c'est Marius, Marius il a été 7 fois consul de Rome, vous imaginez, 7 fois président de la République romaine, c'est quelque chose de très important, ça n'a jamais arrivé autrement, hein, c'est le seul qui a été dans ce cas-là. Donc Marius c'est un homme extrêmement populaire, extrêmement honorable, et Marius il adore son neveu, et son neveu c'est l'officier de Trébonius. Et son neveu il sait prendre un désir violent pour le jeune homme. Un désir qu'il ne parvient même plus à cacher. Trébonius est très gêné par ce désir. Il ne veut absolument pas s'asservir sexuellement au plaisir d'un autre homme. Et donc, il va en permanence adopter une conduite irréprochable. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, forcément, comme il y a un certain érotisme du corps masculin, le corps masculin est érotisé, comme l'homosexualité était très répandue et qu'on craint en permanence l'asservissement d'un citoyen au plaisir d'un autre citoyen pour différentes raisons, eh bien, il y avait tout un tas d'attitudes à adopter dans l'espace public pour montrer ou non sa disponibilité sexuelle pour un homme. Donc un homme savait ce qu'il convenait de faire ou de ne pas faire dans telle ou telle circonstance pour montrer qu'il était ouvert à toute proposition indécente ou pas. Et Trébonius, qui ne tient absolument pas à entacher son honneur d'un stuprum, eh bien, va en permanence à l'armée adopter une attitude de pudeur pour repousser cet amour trop envahissant de Caius Lucius, le neveu du consul Marius. Alors qu'est-ce que c'est cette attitude irréprochable à l'armée ? Eh bien c'est tout simplement, par exemple, porter une tunique à manches longues. Pour quelle raison ? Eh bien parce que ce qui faisait qu'un homme romain était désirable ou non, c'était ses signes extérieurs de virilité. Quels sont les signes extérieurs de virilité dans l'Antiquité ? Eh bien les veines sur les bras et la pilosité sur le torse. Pourquoi ? Bien parce qu'on pensait dans l'Antiquité romaine que la semence masculine était véhiculée par les veines, charriée par le sang dans les veines. C'est comme ça qu'on expliquait que les enfants étaient dépourvus, les petits garçons étaient dépourvus de veines apparentes sur les bras, parce qu'ils n'étaient pas encore capables de procréer. Et c'est comme ça qu'on expliquait que les vieillards avaient aussi des veines moins visibles, parce qu'ils n'étaient plus capables de procréer. Voilà. Et puis la pilosité sur le torse, ou sur les bras, sur le visage. Alors, la pilosité, c'est le marqueur le plus évident, peut-être, de masculinité, de virilité dans l'Antiquité. D'ailleurs, tout jeune homme, pour pouvoir revêtir la toge virile et d'ainsi passer à l'âge adulte, devait passer une espèce de visite médicale au sein du cocon familial. Visite médicale qui visait à établir qu'il avait suffisamment de pilosité pour pouvoir revêtir la toge virile et donc passer à l'âge adulte. Le problème de l'armée, c'est que les jeunes soldats arrivent tout jeunes hommes à l'armée. Et donc parfois, ils n'ont pas ces signes ostentatoires et extérieurs de virilité très marqués. Donc il peut arriver qu'il n'ait pas suffisamment de pilosité sur le corps et qu'il n'ait pas les veines sur les bras suffisamment apparentes. Et donc dans ce cas-là, c'est dangereux pour eux parce que leur corps est assimilé à celui des faibles grecs et à celui des femmes, donc des êtres dominés. Et donc dans ce cas-là, il devient un objet de concupiscence et d'ouverture sexuelle. Donc pour montrer quand ces jeunes hommes ne voulaient pas être l'objet de fantasmes, être l'objet de désirs honteux, eh bien, pour montrer leur opposition à toute proposition licencieuse, ils portaient des tuniques manches longues à l'armée qui dissimulaient leurs bras dépourvus de veines et de pilosité. Voilà. Donc Trébonius, lui, il adopte cette fameuse tunique manches longues et il adopte toutes les autres attitudes dont je vous parlerai plus tard qui visent à montrer qu'il n'est pas ouvert aux propositions indécentes. Le problème, c'est que le désir de Caius Lucius n'en est que plus enflammé. L'officier finit par ne plus tenir, et donc un soir, que fait-il ? Eh bien, il convoque le jeune homme dans sa tente. Trébonius ne peut pas s'y déroger. Forcément, ce serait considéré comme de l'insubordination, il pourrait être puni s'il n'y allait pas. Donc il y va, la mort dans l'âme, son officier a préparé un somptueux repas, avec des mets aux propriétés un peu échauffantes, et il a préparé aussi du très bon vin. Il compte en fait faire boire le jeune Trébonius pour essayer d'abuser par la force de lui, puisque le jeune homme se dérobe à toutes ses tentatives.
Le jeune homme n'a pas le choix. S'il veut sauver son honneur d'un stupre, d'un stuproom, il est obligé de tuer son officier. Donc il tue son officier tout en sachant qu'il risque la condamnation à mort pour cet acte. Donc il tue son officier. Immédiatement, il est mis aux arrêts, il risque la condamnation à mort. Et, catastrophe pour lui, c'est le propre oncle de Caius Lucius, c'est le consul Marius qui va venir pour présider le procès. Marius qui adorait son neveu décédé. Donc il examine les pièces du dossier, il a un a priori évidemment très négatif vis-à-vis de Trébonius. Trébonius, quant à lui, fournit des témoins qui attestent qu'à l'armée, il a constamment découragé le neveu de Marius par son attitude, qu'il a adopté une attitude tout en pudeur, et grâce à cela, il parvient à sauver sa vie. Le consul réfléchit et dit que lui, il est très triste d'avoir perdu son neveu adoré, mais que l'attitude irréprochable du jeune homme compte avant tout, et que mieux vaut un jeune homme honorable vivant dans l'État romain qu'un débauché de plus, et il acquitte le jeune homme. C'est Marius, c'est son neveu qui était considéré comme le méchant dans l'histoire. Voilà, donc c'est son attitude irréprochable qui a sauvé Trébonius. Si vous n'adoptez pas dans l'espace public une attitude irréprochable, eh bien dans ce cas-là, la loi, comme c'était le cas ici, ne va plus vous protéger. Je vais vous donner un contre-exemple après l'exemple admirable de Trébonius. On a l'exemple d'une... Alors on n'a pas conservé le nom du jeune homme, c'est encore une histoire issue d'un procès. On a l'exemple d'une plaisanterie qui a très mal fini. Donc un jeune homme de la bonne bourgeoisie romaine fait un pari désastreux avec ses amis. Que va-t-il parier ? Eh bien, il parie qu'il va se travestir en femme pour arpenter les rues de Rome. Il relève le défi de ses amis, hein, je ne sais pas ce qui est en jeu, l'histoire n'a pas conservé cette trace, mais donc il relève le pari, et donc il va mettre des vêtements typiquement féminins, donc c'est-à-dire une superposition de trois robes, une perruque de femme, il va se maquiller comme une femme, et puis ensuite il va arpenter les rues de Rome en se dandinant, en ondulant du postérieur et en lançant des œillades très provocantes de ci, de là. L'histoire finit mal, je vous l'ai dit. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va être agressé et violé par d'autres hommes. Des hommes qu'il connaît. Alors je vous rassure, ce n'est pas ses copains, hein, ce serait un peu pervers. Mais donc, il va être agressé et violé. Alors vous pensez bien, le pauvre garçon, c'était une simple plaisanterie à la base, ça ne devait pas se finir comme ça. Il pense être dans son bon droit et il dépose plainte. Il n'aurait pas dû. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas dû ? Bien, tout simplement parce que la loi n'est plus de son côté. Il s'est déguisé en un être dominé, alors qu'il appartient à la classe des dominants. Donc forcément, il s'est dégradé de lui-même. En adoptant un vêtement de femme, il a adopté une attitude d'ouverture sexuelle. Il n'a pas fait preuve d'une attitude irréprochable, d'une attitude tout en pudeur. Qui plus est, alors vous allez me dire, ça veut dire que chez les Romains, on peut violer les femmes, on en voit une qui nous plaît, hop, 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 on la couche dans un coin et on y va, et la loi est de notre côté ? Pas du tout. Mais pour les femmes aussi, il y avait tout un code, il y avait toute une conduite, tout un tas d'attitudes à adopter pour éviter d'être agressée. Une femme mise dans le même cas de figure n'aurait pas été protégée non plus par la loi. Pourquoi ? Mais parce qu'on aurait dit, ah oui, mais on l'a vu marcher. Elle ondulait du postérieur, elle lançait des œillades provocantes, ce n'est pas une attitude honorable pour une femme, donc forcément, elle a été violée, bien fait pour elle. Voilà. Donc une femme, quelle est la conduite adoptée pour une femme dans les rues à Rome ? Ben, c'est déjà d'être voilée, c'est de marcher en bougeant le moins possible, le vêtement romain emprisonne le corps. Donc dans la rue, vous ne laissez pas libre cours à vos pulsions, vous ne courez pas. Les femmes avaient la poitrine écrasée par leur soutien-gorge parce qu'une matrone romaine ne doit absolument pas être érotisée, rien n'est plus idolâtrée qu'une matrone romaine. Rien n'est plus chaste qu'une matrone romaine. Donc la matrone ne doit pas être un objet de fantasme. Donc quand la matrone marche dans la rue, on ne doit pas voir son postérieur ondulé, ses seins sont écrasés, ils ne doivent en aucun cas balloter, et la matrone est voilée, elle doit garder le regard baissé. Elle ne doit pas jeter des œillades provocantes. Et si elle croise une statue d'homme nu, immédiatement elle doit se voiler. C'est-à-dire qu'elle a constamment une main emprisonnée dans le tissu, l'autre main qui tient un pan du voile, elle voit une statue d'homme nu à gauche, elle se voile à gauche, elle voit une statue d'homme nu à droite, elle se voile à droite, immédiatement. Les femmes romaines avaient des œillères. Donc, en adoptant une attitude impudique tant pour un homme que pour une femme, bien forcément, il n'a pas à se plaindre s'il a été agressé. Il a quitté de lui-même l'uniforme du citoyen romain. Quel est cet uniforme ? Bien, c'est la toge, et donc c'est lui qui va être condamné. Il est condamné à quoi ? Ses violeurs sont relaxés, il y a un non-lieu qui est prononcé à leur égard, il est condamné d'outrage à la cour pour irrecevabilité évidente de l'affaire. Tout simplement, puisqu'il a de lui-même quitté l'attitude pudique qui était exigée pour un jeune homme dans la rue.
Voilà, donc pour le cas de ce jeune homme. Alors, d'où nous vient cette érotisation du corps masculin ? Bien tout simplement de la Grèce. Et c'est en même temps cette fascination pour la Grèce qui explique cette complexité qu'ont les Romains avec leur désir, puisque les Romains ont en quelque sorte un fantasme du corps masculin, fantasme qu'ils sont incapables d'assouvir, puisqu'ils se mettent à eux-mêmes des bornes. Il ne faut surtout pas être asservi au plaisir d'un autre homme, etc. On peut se demander pourquoi c'est aussi précis, aussi compliqué. Il y a une autre manière de vivre la sexualité qui est quand même un petit peu plus libre. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent autant de bornes ? Ben, tout simplement parce qu'ils vivent à travers les fantasmes qui ne sont pas les leurs, à travers les fantasmes des Grecs. Les Romains, ça va très très loin. Vous savez que les Romains, par exemple, n'apprennent pas la langue latine à partir de textes de grands auteurs latins. Ils l'apprennent à partir de textes de grands auteurs grecs en langue grecque. Ce qui veut dire qu'ils n'apprennent pas le latin à travers le latin, mais à travers le grec. C'est ce qui est aberrant. Même chose quand ils font des études de droit. Ils étudient le droit romain, qui est très différent du droit grec, à travers des comptes rendus de procès grecs. Ils doivent faire organiser des procès fictifs de grands héros de la mythologie grecque. Ce qui est totalement ridicule. Donc forcément, les Romains pensent grec en permanence. Ils font un petit complexe d'infériorité par rapport aux Grecs, qui sont plus raffinés qu'eux. Et donc, ils ont une espèce de fascination pour la Grèce. Et donc, ils vivent avec les fantasmes des Grecs, alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas vivre les mêmes fantasmes, qui sont inconcevables dans le monde romain. Pourquoi c'est inconcevable ? Bah parce que dans le monde grec, dans la mythologie grecque, dans la société grecque, eh bien, quand on parle d'homosexualité, ce qui est très accepté, il y a constamment un rapport d'asservissement d'un homme au plaisir d'un autre homme. Ça faisait même partie de l'éducation de base de tout jeune homme. Quand vous prenez la pédérastie, par exemple, qui est le système éducatif grec, une phase du système éducatif grec, ben en quoi ça consiste ? Vous avez le jeune homme qui, quand il va passer à l'âge adulte, bien se voit confier par sa famille à un homme plus âgé, une relation de la famille, qui est généralement un homme beaucoup plus riche et beaucoup plus puissant. Cet homme riche reçoit pour mission de parachever l'éducation du jeune homme, en cela compris l'éducation sexuelle. Donc, et en échange, il offrira au garçon, parce que c'est une faveur pour les deux, hein, il offrira au garçon de beaux cadeaux. Donc vous voyez que pour nous, ce serait assimilé à de la prostitution. Pour un Romain aussi, c'est un asservissement d'un citoyen au plaisir d'un autre citoyen dans un but lucratif ici. Voilà. Donc chez les Grecs, ça fait partie de l'histoire. C'est comme cela. Dans l'éducation, dans la société, dans la mythologie, vous avez toujours cet asservissement d'un homme au plaisir d'un autre homme à des fins politiques ou lucratives. Et donc les Romains copient cela, mais sans avoir les moyens de le vivre. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir ce fantasme de l'éphèbe grec, mais ils vont se mettre des bornes, ils vont se mettre des bornes pour s'empêcher en permanence de vivre à fond ce fantasme. Et c'est ce qui fait que toute la complexité de la sexualité, on pourrait même dire de l'homosexualité latine. Voilà. Alors, l'histoire se complique encore en 146 avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'en 146 avant Jésus-Christ, les Romains font la conquête de la Grèce, conquête définitive. Donc ils font la conquête de la Grèce, et maintenant, ils vont avoir un petit peu la main mise sur le raffinement, le mode de vie raffiné des Grecs. Et ils vont en copier toutes les grandes institutions. Quelles sont les grandes institutions ? Eh bien, ce sont les bains publics et les banquets. Le problème, c'est que dans ces deux circonstances, les bains et le banquet, eh bien, chez les Grecs, il y a l'omniprésence de l'homosexualité, de l'asservissement des hommes au plaisir d'autres hommes. Donc les Romains vont copier ces deux grandes infrastructures grecques, ces deux grandes institutions, mais ils vont devoir faire attention à ne pas tomber dans les excès des Grecs, ils vont devoir faire attention à leur honneur, à leur déshonneur, au stuprum qu'ils risquent d'encourir, et donc protéger leurs garçons. Comment vont-ils s'y prendre ? C'est assez complexe, je vais vous expliquer cela tout de suite, et on va commencer par l'exemple des banquets. Quand on pense aux banquets grecs, mais on pense tout de suite à leur appellation. Les banquets grecs s'appellent des orgies. Et quand tout le monde, quand chez nous on parle d'orgie, mais on ne pense jamais à une orgie de nourriture. On pense toujours à une orgie d'ordre sexuel. Pourquoi ? Bien parce que les banquets grecs se terminaient généralement comme ça. Les banquets grecs se terminent généralement de façon sexuelle, une espèce de partouze, on pourrait dire, se terminent généralement en orgie, avec toute la connotation érotique que l'on peut avoir sur le sujet. Voilà. Alors, dans les banquets grecs, les femmes étaient interdites. Pas de femmes dans les banquets grecs. Les seules qui sont présentes, qui sont tolérées, sont des prostituées, en petit nombre. Ce qui veut dire qu'à la fin du banquet grec, quand tout le monde a bien bu, bien mangé, et que ben, naturellement, encouragé par le vin et par les scènes érotiques qu'on a présentes dans les plats en terre cuite, hein, qui sont présentées dans le fond des plats en terre cuite, bien, naturellement, on va s'orienter vers la pratique sexuelle.
les prostituées sont là pour ça, et puis y a moins de prostituées que d'hommes, donc on va avoir des actes bisexuels ou homosexuels. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe chez les Grecs. Quand les Romains font l'importation du banquet, ils disent « ouï, ouï, ouï ». Si on faisait pareil, ce serait la catastrophe. Pourquoi ? Mais parce que si des hommes voient d'autres hommes en train de faire l'amour au banquet, forcément, ça veut dire que quand on a fait un banquet, il y a toujours des invités d'honneur, donc des citoyens qui sont un petit peu plus riches que les autres, un petit peu plus puissants que les autres, des hommes politiques, des hommes de pouvoir, etc. Mais ces hommes, ils risqueraient de se prendre de désir pour des gens qui sont aussi citoyens romains, mais qui sont moins puissants qu'eux, moins riches qu'eux. Et donc, ils risqueraient de leur faire des propositions indécentes, que les autres risqueraient d'accepter, ils s'asserviraient ainsi au plaisir d'un autre homme, donc ils seraient entachés d'un stuprum, les hommes riches, puissants pourraient faire du chantage, bref, ce serait la catastrophe. Il faut absolument mettre un cadre, donc on va importer les banquets grecs, mais en s'arrangeant pour que ces banquets ne finissent pas de manière sexuelle comme chez les Grecs. Ils vont réfléchir au problème, qui vont être les grandes gagnantes de l'importation des coutumes grecques dans le monde romain, eh bien ce sont les femmes. Pourquoi ? Bien parce que les femmes, chez les Romains, comme chez les Grecs à la base, étaient interdites de banquet. Et les Romains, pour la première fois, vont, au IIe siècle avant Jésus-Christ, permettre à leurs épouses d'assister au banquet. Donc les honorables et chastes matrones romaines, qui devaient être des espèces d'idoles totalement désexuées, eh bien les honorables matrones romaines vont assister au même banquet que les hommes. Par leur simple présence, elles vont être les garantes de la bonne conduite du banquet. Donc, c'est-à-dire que par leur simple présence, eh bien, elles vont empêcher les hommes de laisser libre cours à leurs pulsions d'ordre sexuel, ils n'oseront pas le faire. Le problème, c'est que du coup, le banquet perd un petit peu de sa saveur. Ça n'a plus du tout cette connotation grecque, simplement un repas de fête typiquement romain. Il n'y a plus de sexe, c'est pas drôle. Alors il faut trouver un truc qui soit érotique, mais qui ne soit pas pornographique. Comment vont faire les Romains ? Eh bien, ils vont inventer une nouvelle catégorie d'esclaves, les pueri delicati. Qu'est-ce que c'est les pueri delicati ? Si on traduit littéralement en français, ça nous donne les petits garçons délicats, les petits garçons délicieux. Eh bien, les pueri delicati, c'est une catégorie d'esclaves qui est inventée au IIe siècle avant Jésus-Christ dans le seul but de servir au banquet. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des petits garçons choisis parmi les esclaves pour leur beauté et qui sont envoyés dans des écoles spécialisées dès leur plus jeune âge, vers 4-5 ans. Dans des écoles spécialisées, on va leur apprendre les bonnes manières et l'art de satisfaire tous les désirs de leur maître. Qu'il soit sexuel ou non. La pédophilie n'existe pas, la notion de pédophilie n'existe pas non plus chez les Romains. Donc, ils vont devoir satisfaire tous les désirs de leur maître. Ça va même plus loin, les pueri delicati vont pouvoir porter tout ce que leur maître ne peut pas porter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, je vous ai dit, pour montrer qu'il n'est pas disponible sexuellement, qu'il n'est pas ouvert à toute proposition indécente, l'homme romain doit, dans l'espace public, adopter une attitude de pudeur. Quelle est cette attitude de pudeur ? Eh bien, c'est par exemple ne pas avoir les cheveux longs, il faut les cheveux courts. L'homme romain ne doit pas porter de bijoux non plus, en dehors d'un anneau à l'annulaire gauche qui indique son statut social, et d'un pendentif avec une amulette qui va éloigner les mauvais esprits. Ce sont les seuls bijoux que porte dans l'espace public un homme romain, honorable. Il ne doit pas avoir les cheveux longs, il ne doit pas avoir non plus de parfum capiteux, et il ne peut pas porter de vêtements en tissu teint, uniquement des vêtements en tissu naturel, brun, beige ou blanc, et la toge par-dessus. Voilà l'uniforme du citoyen romain. Ces petits esclaves, parce que forcément, se dire que riche ou pauvre, tout le monde est habillé pareil chez les Romains, les hommes romains. Ces petits esclaves, ils vont porter tout ce que le maître ne peut pas porter. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les cheveux longs, ils vont avoir des parfums capiteux, ils vont être couverts de bijoux, et ils vont porter des tissus extrêmement précieux, tout cela payé par leur maître. En fait, ils vont être, dès le IIe siècle, en quelque sorte, la vitrine publicitaire de leur maître. C'est eux qui vont montrer la richesse du maître, en portant tout ce que le maître ne peut pas porter. Et ces pueri delicati, à table, eh bien, ils vont devoir, donc ils sont très opposés aux autres citoyens, et ces pueri delicati, à table, quelle est leur fonction ? Eh bien, jouer le rôle de Ganymède. Qui est Ganymède ? C'est un dieu grec. Ganymède, à la base, c'était un prince troyen qui a été séduit par Zeus, qui l'a enlevé. Donc vous voyez, toujours cette dualité, les dieux sont bisexuels comme la majorité des gens dans l'Antiquité, on ne se choisit pas de catégorisation sexuelle. Donc Zeus séduit le jeune homme, l'emmène sur le mont Olympe, où il le rend immortel, il en fait un dieu, et le seul rôle de Ganymède sera de servir à boire à table à Zeus. Et donc ces petits pueri delicati vont devoir jouer le rôle de leur divinité protectrice, Ganymède, à table, en servant à boire à leur maître et à l'invité d'honneur.
Dans les familles les plus riches, il était de bon ton d'en avoir deux ou trois. Plus, ça aurait été mal vu. Mais deux ou trois, c'est bien. Voilà. Donc, ils vont devoir servir à boire au maître, à leur maître et à l'invité d'honneur à table. Alors, pour la petite histoire, Ganymède, c'est lui aussi qui a donné la constellation du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau, vous êtes né sous la protection de Ganymède, comme les Pueri Delicati. Donc, à table, ils doivent juste faire cela, servir à boire au maître et à l'invité d'honneur. C'est eux aussi qui vont donc donner cette connotation grecque au banquet, et c'est eux aussi qui vont être la petite touche érotique qui terminera le banquet. Donc une touche érotique et pas pornographique. Comment cela ? Eh bien, sur un signe donné de leur maître, quand il estimera qu'il est temps de clôturer le banquet, en lieu et place de l'orgie sexuelle qui terminait le banquet grec, eh bien, les Pueri Delicati vont aller distribuer à leur maître et à l'invité d'honneur un baiser. C'est en ce seul baiser que résidera toute la connotation érotique et sexuelle du banquet grec. Alors, ce n'est pas n'importe quel baiser, c'est ce que vous voyez sur cette peinture sur vase. Et à ce signal, les invités, les gens présents, vont aussi donner à leurs voisins de lit un baiser du même type. Alors, je vous l'ai dit, ce n'est pas n'importe quel baiser. Il ne s'agit en aucun cas du baiser vulgaire, du baiser avec la langue, qui n'est qu'un échange de fluides. Ce baiser est considéré comme un acte de prélude à l'acte sexuel et est mal vu par les Romains. Les Romains connaissent deux types de baisers. Le deuxième ne nous a pas été transmis, on ne le pratique plus à l'heure actuelle. Ce deuxième type de baiser, eh bien, c'est le baiser pneumatique. Comme son nom l'indique, le baiser pneumatique, c'est une histoire de souffle, comme un matelas pneumatique, c'est pareil. Donc c'est un de pneuma, le souffle, et c'est un échange de souffle. Donc c'est-à-dire que vous allez souffler à tour de rôle dans la bouche de votre partenaire et aspirer son souffle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de baiser ? À quoi ça sert ? Eh bien, les Romains considéraient, et les Grecs aussi avant eux, considéraient que la proximité de la bouche avec le cerveau permettait au souffle qui sortait de la bouche d'être contaminé par l'âme. Donc ça veut dire que si vous avez bonne haleine, vous avez une âme bonne, vous êtes naturellement porté à dire le bien et à faire le bien. Si vous avez mauvaise haleine, vous êtes naturellement mauvais et porté à dire le mal et à faire le mal. Et donc à la fin du banquet, eh bien, on se soufflait dans la bouche l'un l'autre, la force de ce baiser est telle qu'en fait les Romains considèrent qu'on échange un peu de son âme avec son partenaire. C'est un baiser beaucoup plus pur, beaucoup plus poétique et qui n'est pas du tout vulgaire. Voilà. Alors j'en clôture, donc c'est fini pour le banquet. Je clôture avec l'histoire des Pueri Delicati parce que vous demandez peut-être un petit peu ce qui arrivait à ces esclaves par la suite puisque je vous ai dit qu'ils étaient très jeunes. Les Pueri Delicati, c'est la catégorie d'esclaves la plus chère. C'est vraiment horriblement cher. Il n'y a pas d'esclaves plus chers que les Pueri Delicati. Le problème, c'est qu'ils ont une date de péremption très proche de leur date de consommation. Dès que les signes extérieurs de virilité apparaissent, ils perdent toute valeur marchande. Donc, dans un premier temps, on les épile, on les rase, on entretient artificiellement leur jeunesse. Et quand leur jeunesse n'est plus possible, l'âge adulte n'est plus possible à masquer, ils perdent toute valeur marchande et généralement, on les jette à la rue comme des malpropres. Donc imaginez un petit peu le choc psychologique pour ces garçons qui, du jour au lendemain, alors qu'ils ont vécu avec tout le luxe des plus grands milliardaires de notre époque, du jour au lendemain se retrouvent sous les ponts sans un sou. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, la plupart d'entre eux, on le sait grâce au texte, essayaient de survivre en pratiquant la prostitution. Et puis ensuite, quand vraiment ils n'y arrivaient plus, parce qu'imaginez le choc psychologique pourrait être épouvantable, ils terminaient leur vie misérable en se suicidant. Voilà, ça c'est ce qu'on sait par les textes d'auteurs comme Martial, par exemple. Voilà, donc j'en ai terminé avec les banquets. J'en viens à la deuxième circonstance dangereuse, les bains. Dans l'Antiquité, tout le monde va au bain. Les riches ont certes des bains privés dans leur palais, mais ces bains ne servent que pour les grandes occasions. Dans la vie de tous les jours, les riches vont dans les bains publics. Pour quelle raison ? Ben parce que vous ne vous servez de vos bains privés que quand vous avez des invités, le soir, lors des grandes fêtes, parce que ça fait partie des lois de l'hospitalité antique d'offrir aux gens un bon bain, un bon repas et un bon lit. Mais en temps normal, vous ne vous servez pas de vos bains privés, vous privilégiez les bains publics. Pourquoi ? Parce que le bain public, c'est un lieu d'échange, d'interaction sociale. Vous concluez des affaires au bain public, vous nouez des relations au bain public, vous faites élire au bain public. Bref, les bains publics, c'est vraiment un lieu idéal. Donc, au bain public, tout le monde y va. Généralement, les Romains passent leur après-midi au bain public, qu'ils soient riches ou pauvres. Alors, dans les plus grandes villes, il y avait des bains réservés aux hommes et des bains réservés aux femmes. Les bains publics ne sont pas mixtes. Dans les petites villes de province, vous avez un système de rotation horaire qui fait qu'à certaines heures, les bains seront accessibles aux femmes et à d'autres heures, seront accessibles aux hommes.
On ne se mélange pas. Donc impossible de faire comme dans le banquet. Dans les bains publics, les femmes ne sont pas là pour garantir qu'il n'y aura pas d'abus. Ne sont pas là pour garantir qu'un citoyen ne sera pas asservi au plaisir d'un autre citoyen ou ne sera pas tenté de l'être. Alors comment s'y prendre ? Le problème dans les bains publics, c'est que tous les hommes sont nus. Et donc bah forcément, le corps des jeunes Romains peut facilement être assimilé à celui des esclaves grecs. Donc ça pose problème, leur corps est érotisé et peut donc devenir un objet de désir, de concupiscence. Donc il faut à tout prix l'éviter. Comment vont faire les jeunes Romains pour s'opposer en tout point aux éphèbes grecs ? Eh bien, les jeunes Romains, pour s'opposer aux éphèbes grecs, vont adopter tout un système de code, de conduite au bain, qui va montrer qu'ils ne sont pas ouverts sexuellement à toute proposition indécente. Alors, quels sont ces codes ? Quelle est l'attitude adoptée au bain ? Eh bien, on la connaît avec une grande précision. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé un manuel d'éducation à usage des jeunes gens de bonne famille dans l'Antiquité, et que dans ce manuel d'éducation, on vous décrit très platement ce qu'il faut faire au bain public. Quelle est la conduite à adopter ? Et donc on sait que quand vous allez au bain public, bien vous devez adopter une attitude qui n'induise pas en erreur, pour montrer que vous n'êtes pas ouvert à toute proposition indécente, c'est-à-dire que déjà, il faut éviter de se baigner en présence de tout homme capable d'avoir sur vous une certaine ascendance. Donc par exemple, vous ne vous baignez pas en présence de votre patron, donc c'est-à-dire l'homme puissant sur la protection duquel compte votre famille. Vous ne vous baignez pas non plus en présence de votre père, de votre oncle ou de votre grand-père, qui ont droit de vie et mort sur vous. Vous ne vous baignez qu'avec vos égaux. Ensuite, au bain public, vous ne regardez personne dans les yeux quand vous êtes jeune et désirable. Vous vous promenez les yeux baissés. Si vous croisez le regard de quelqu'un, cela sera assimilé à une provocation sexuelle. Donc surtout, ne jamais regarder personne dans les yeux au bain public. Ça va beaucoup plus loin. Quand on allait au bain public, on prenait avec soi un haribal. Alors qu'est-ce que c'est un haribal ? Vous en voyez un ici, sur cette représentation sur vase. Un haribal, c'est un petit vase à huile, de forme ronde, que l'on prenait constamment avec soi. Je vous en montre un autre exemple. Hein. Voilà, sur cette autre représentation sur vase, vous voyez ici un autre haribal. Donc c'est un petit vase à huile que prenaient les hommes avec eux. Je vous en montre un en vrai. Voilà. Alors l'haribal, sa forme est étudiée pour sa fonction. Les Romains ne connaissent pas le savon. Ils ne le connaissent que pour se décolorer les cheveux. Voilà. Mais ils n'utilisent pas de savon pour se laver. Ils utilisent un système de bain de températures différentes pour dilater et contracter les pores de la peau, ce qui va faire partir toutes les impuretés, et ensuite ils se massent ou se font masser avec de l'huile. Et vous venez au bain avec votre propre flacon d'huile. Ce flacon d'huile, c'est l'haribal. Sa forme est étudiée pour sa fonction. Donc, c'est-à-dire que l'haribal, il est tout petit. Il est tout petit et il est rond, de manière à parfaitement tenir dans la main. Ben oui, quand vous l'utilisez, vous avez les mains pleines d'huile, forcément. Donc forcément, ça glisse. Donc il faut qu'il puisse tenir dans le poing fermé sans risquer de tomber. Il a un fond plat pour être posé dans les vestiaires, sur le banc ou sur le sol. Vous voyez qu'il a un goulot, un petit col très étroit, de manière à pouvoir être attaché au bout d'une cordelière, comme c'est le cas ici ou ici. Eh bien, dans ce manuel d'éducation à usage des jeunes gens de bonne famille, on apprend que quand un jeune homme va au bain, pour montrer sa non-disponibilité sexuelle, il doit en permanence tenir devant son sexe son haribal, au bout d'une cordelière ou à la main, mais en permanence devant son sexe. Comme cela, il n'attirera pas l'attention vers ses parties sexuelles. Alors, l'haribal, donc, c'est par conséquent un objet extrêmement courant. Les haribals pour enfants, voici un exemple. Souvent, elles étaient en forme de petits animaux ou de jouets. Voilà. Et puis, on a retrouvé aussi d'autres haribals qui avaient une forme très curieuse, puisqu'ils avaient la forme de ce qu'ils étaient censés dissimuler. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi, c'est un petit peu curieux. Peut-être soit pour des hommes qui désiraient justement afficher leur disponibilité sexuelle, ou alors pour des hommes beaucoup plus âgés qui ne manquaient pas d'humour et qui, de toute façon, ne risquaient plus rien. Voilà, donc je ne sais pas, mais on a retrouvé quelques-uns. En petit nombre, mais on en a retrouvé tout de même. Ça va encore plus loin. En plus de baisser les yeux en permanence, de ne pas se baigner en présence de quelqu'un de plus puissant que vous et de devoir porter constamment devant son sexe son haribal, eh bien, on a retrouvé des choses beaucoup plus curieuses. Par exemple, ce texte dit clairement que quand vous allez au bain public, messieurs, eh bien, vous ne devez pas y aller avec des testicules gonflés comme le poing, ce qui attiserait la convoitise des autres hommes. Donc autrement dit, si on traduit, bah, il faut vous masturber avant d'aller au bain public pour afficher une non-disponibilité sexuelle. Voilà. Et puis alors, surtout, quand vous allez au bain public, n'y allez pas seul. Pour quelle raison ? Bah, si vous n'y allez pas seul, forcément vous serez avec quelqu'un qui pourra attester que vous êtes conduit honorablement, que vous n'avez pas montré de signe ostentatoire de disponibilité sexuelle,
Et puis, en plus et surtout, au bain public, les casiers ne ferment pas à clé. Donc forcément, si vous y allez seul, ben, on va vous voler vos vêtements. Ça arrive tout le temps. C'est très fréquent, c'est quotidien en bain public. Donc il faut y aller avec un copain. Pendant que vous vous baignez, il garde vos vêtements. Puis après, pendant que lui se baigne, vous gardez ses vêtements. Ou alors vous y allez avec un esclave qui va surveiller vos vêtements, qui va aussi vous protéger en cas de problème. Mais au bain public, vous n'y allez pas seul. Et je vais terminer avec une anecdote extraite du Satyricon une fois de plus. Hein. Donc dans le Satyricon de Pétrone, le seul roman gay, si l'on peut dire, qu'on a conservé de l'Antiquité, les trois héros forment une espèce de couple à trois, des garçons. On a Achilte, qui est un jeune homme un peu canaille, un peu pervers et très bien monté, qui sera le héros de cette anecdote. On a Giton, qui est un jeune adolescent mignon. Et Giton, qui est le petit copain d'Encolpe. Encolpe, c'est le vrai héros de l'histoire. Il est très beau, c'est un universitaire désargenté. Il forme une espèce de couple à trois, et Giton est le petit ami d'Encolpe. Dans l'extrait que je vais vous lire, Achilte a réussi à séduire Giton, et Giton a quitté Encolpe pour Achilte. Les deux garçons vont au bain public, et pendant qu'Achilte se baigne, c'est Giton qui garde ses vêtements. Mais tout à fait par hasard, Encolpe débarque au bain public, voit Giton, et Giton retombe amoureux d'Encolpe. Ce qui fait que Giton quitte Achilte, mais sans le lui dire, pour s'enfuir avec Encolpe. Les vêtements d'Achilte se retrouvent sans surveillance, et évidemment, ils vont être volés. Quand Achilte sort du bain, bien, il veut à la fois retrouver ses vêtements, qu'il pense être toujours en possession de Giton, qu'il cherche lui aussi à retrouver. L'histoire est racontée par un quatrième personnage, le fameux professeur dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui s'appelle Eumolpe. Je vous lis l'extrait. « Après avoir été chassé du bain, comme je l'ai été du théâtre, je me mis à parcourir tous les coins et appeler « Encolpe » à toute voix. De l'autre côté, un jeune homme, nu, qui avait perdu ses vêtements, réclamait Giton avec des cris d'indignation tout aussi violents. Et moi, j'étais l'objet des moqueries des esclaves qui m'imitaient insolemment, comme si j'avais été un fou, tandis que lui était entouré d'une grande foule, applaudissant et l'admirant avec le plus grand respect. Il avait en effet au bas-ventre une charge si énorme que l'on aurait pu penser que tout le corps de cet individu n'était que la poignée du fétiche. Oh, le vaillant jeune homme! Je crois bien qu'en commençant la veille, il n'aurait terminé que le lendemain. Aussi fut-il bien vite secouru. Un certain chevalier romain, connu, dit-on, pour ses mœurs, l'arrêta dans sa course errante, lui jeta son propre vêtement sur les épaules et l'emmena chez lui, afin, je pense, d'être le seul à profiter d'une si belle occasion. Mais moi, je n'aurais même pas pu reprendre mes vêtements des mains de l'employé si je n'avais fourni un répondant, tant il est plus avantageux de se fourbir le membre plutôt que le génie. » Je vous donne une petite explication sur le texte. Donc, vous voyez Achille Tobin qui est visiblement tellement bien monté que tout le monde l'applaudit autour de lui, qui n'adopte pas du tout l'attitude de non-disponibilité sexuelle qu'on aurait attendue d'un jeune homme de bonne famille au bain public, qui au contraire exhibe son membre à tout va et qui va s'en servir pour trouver de l'aide auprès d'un chevalier romain. Donc le chevalier romain, Achille s'asservit de lui-même au plaisir d'un autre homme. Et donc si vous regardez bien le texte, vous avez bien écouté ce que j'ai dit, eh bien dans ce texte, on s'aperçoit que l'opinion publique ne juge pas Achilte, puisqu'il s'asservit de lui-même au plaisir du chevalier romain par intérêt. Libre à lui de le faire, libre à lui d'être victime d'un stupre. L'opinion publique rejette l'opprobre sur le chevalier romain, puisqu'on vous précise qu'il est connu pour ses mœurs un petit peu spéciales. Donc on en déduit, grâce à ce passage, qu'en fait, le chevalier romain va finir par être au service, en quelque sorte, d'Achilte, va tomber sous sa domination, et c'est effectivement ce qui va se passer. Voilà, et donc au final, c'est le chevalier romain qui va subir l'opprobre, le stupre, et pas véritablement Achilte. Alors, dans le deuxième paragraphe, quand on vous dit cette phrase, « Il avait en effet au bas-ventre une charge si énorme que l'on aurait pu penser que tout le corps de cet individu n'était que la poignée du fétiche », eh bien, ce passage a été très difficile à traduire pour grand nombre de traducteurs spécialistes du monde antique, pour la simple et bonne raison qu'ils ne comprenaient pas ce à quoi on comparait le jeune homme. En fait, on le compare à ceci, ce sont les fameuses amulettes que portaient tous les hommes romains. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les hommes romains, dans l'espace public, ne peuvent porter que deux bijoux sous peine de faire croire à leur disponibilité sexuelle. Donc, ils portent un anneau qui indique leur statut social et une amulette qui les protège contre le mauvais sort, contre le mauvais œil. Eh bien, ces amulettes étaient phalliques. Elles sont des amulettes de ce type-ci. Et donc dans ce texte, on compare Achilte à l'une de ces amulettes. On vous dit que son sexe est si gros que son corps, comparativement à son sexe, ressemble à l'attache d'une amulette comme celle-ci. Voilà. Donc, vous l'avez compris, la loi
la loi ne condamne pas le stuprum. Ce que la loi fait, c'est qu'elle protège les bons citoyens contre l'abus de pouvoir. C'est en revanche l'opinion publique, le regard des autres qui va juger et qui, lui, va jeter l'opprobre, qui, lui, va condamner au stuprum. Donc une condamnation très morale. Et donc, évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler, à l'heure actuelle, de la diffamation. Même si on n'a pas de preuve que le stuprum a eu lieu, par la simple suspicion qu'il ait eu lieu, par le bouche à oreille, eh bien, vous allez être victime du stuprum. Et c'est ce que fait Cicéron dans ses discours politiques. Quand il attaque l'homosexualité de ses opposants, ce qu'il attaque, ce n'est pas l'homosexualité, c'est leur asservissement au plaisir d'un autre homme dans un but lucratif ou politique. Voilà, et donc c'est cela qu'il attaque, il les diffame pour, en quelque sorte, les diffamer, pour les désociabiliser, pour les déstabiliser socialement. Voilà ce qu'il fait dans ses discours. Lui-même ne condamne pas ce que nous appellerions l'homosexualité. C'est l'asservissement qu'il condamne. Et ce qu'il fait, bien en fait, personne n'y croit. Ça ne sert à rien. Pourquoi le fait-il ? C'est un lieu commun des discours politiques ou juridiques d'attaquer la moralité de son adversaire. Donc on en parle chez Cicéron parce que c'est l'avocat et l'orateur le plus connu, mais en fait, c'était le cas dans tous les discours d'orateurs antiques. Et puisque cet art de diffamer les gens est si répandu, le fait de jeter le stuprum sur les gens est si utile pour les déstabiliser socialement, eh bien les gens vont s'en servir pour ce qu'on pourrait appeler à l'heure actuelle la justice tribale. Donc la justice tribale, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est quand vous préférez vous venger vous-même plutôt que de faire appel à la loi. La loi, vous n'êtes jamais certain du résultat. Ça coûte cher et la loi peut aboutir à un non-lieu, à un acquittement ou se retourner contre vous. Mieux vaut se venger soi-même dans certains cas, du moins dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire dans la limite du droit. Alors dans quel cas est-ce qu'on appliquait cette justice tribale dans l'Antiquité romaine ? Eh bien par exemple, quand un mari surprenait sa femme avec son amant. Dans ce cas-là, il ne se plaint contre sa femme. Pour quelle raison ? Ben parce que dans la bonne société romaine, ce sont des mariages arrangés. Donc si vous attaquez votre femme en justice, par exemple, parce qu'elle a eu un amant, ben forcément, cela va aboutir à un divorce et vous allez devoir lui restituer sa dot, ce qui est très ennuyeux parce que généralement, les maris la dépensaient. Donc ça, c'est difficile. Si vous la tuez, vous êtes en droit de la tuer. Mais si vous la tuez, vous allez avoir maille à partir avec la famille de votre épouse, une famille aussi puissante que la vôtre. Donc c'est pas bien non plus. Donc généralement, l'épouse n'en courait rien dans la vie de tous les jours, mais le mari se vengeait contre l'amant. Et il appliquait ce qu'on appelle aujourd'hui une justice tribale. Alors comment faisait-il pour se venger ? Eh bien, il le violait. Voilà. Alors ça peut nous paraître un petit peu curieux de violer l'amant, d'autant plus que cette justice tribale n'a de valeur que si elle est publique. Il faut qu'on puisse le diffamer. Il faut que le bruit de son stuprum se répande dans toute la société romaine pour le déstabiliser socialement, pour qu'il soit socialement avili, rabaissé au rang d'esclave. Et donc, quand le mari violait l'amant, il le faisait en public. Donc on ameutait tous les passants dans la rue, on ameutait les voisins, les amis de la famille, on les faisait venir dans la chambre, et là, ni une ni deux, le mari violait l'amant. Le problème, c'est que le corps de l'amant est protégé par la loi. Si le mari viole l'amant, eh bien forcément le mari est susceptible d'être attaqué en justice, puisqu'il a, par la force, asservi un citoyen romain au plaisir d'un autre citoyen romain. Et donc, par conséquent, il risquerait de perdre le procès et de se retrouver lui-même en prison et mis à l'amende. Alors, comment faire ? Eh bien, ces viols étaient en fait symboliques. Pour violer socialement l'amant, pour rabaisser socialement l'amant, l'asservir au plaisir d'un autre homme, d'un autre citoyen romain, il fallait faire un viol symbolique et l'on utilisait pour cela un réfort, c'est-à-dire une espèce de gros navet que l'on appliquait à l'emplacement des orifices sexuels de l'amant, mais par-dessus les vêtements. Et de cette manière, l'amant était considéré comme asservi au plaisir d'un autre homme, et donc dans ce cas-là, il était avili, il était victime d'un stuprum publiquement. Voilà. Et donc pour conclure, j'espère avoir été clair à l'aide de tous ces exemples, chez les Romains, l'homosexualité n'existe pas puisqu'il n'existe pas de mots pour la décrire, de mots pour caractériser cette catégorisation sexuelle. Les Romains étaient relativement libres de vivre la sexualité qu'ils voulaient, à condition de faire attention. La bisexualité, on considère que c'est la norme, et des personnages comme l'empereur Claude, par exemple, vont être considérés comme bizarres par leurs contemporains, parce que Claude n'a des relations sexuelles qu'avec des femmes. Il est à 100% hétéro. Et les contemporains trouvent ça un petit peu bizarre.
Donc il y a une relative liberté sexuelle, mais il y a des bornes à cette liberté sexuelle. Quelles sont les deux bornes? Eh bien, vous avez la borne du regard des autres, voilà, et la borne de la loi. Alors que condamne l'opinion publique? L'opinion publique condamne ce que nous on pourrait appeler la prostitution masculine. Donc ce qu'elle condamne, c'est l'asservissement d'un citoyen au plaisir sexuel d'un autre citoyen romain, que l'acte soit actif ou passif, s'il a lieu à des fins lucratives ou politiques. Et ce que la loi, quant à elle, condamne, eh bien, c'est la même chose, mais quand il y a abus de pouvoir. Donc, c'est-à-dire quand un citoyen romain use de son autorité et de sa force pour asservir à son plaisir un autre citoyen romain qui est égal à lui en droit. Voilà. Et la loi et l'opinion publique vous protègent, mais à une seule condition, qu'en permanence, vous adoptiez une attitude de pudeur, un comportement pudique et honorable qui vous mette à l'abri de tout asservissement d'un citoyen au plaisir d'un autre citoyen. Voilà. Donc j'espère avoir été clair à l'aide de tous ces exemples. Puis, ben, je vous remercie pour votre attention. Et je me tiens maintenant à votre disposition pour toute éventuelle question. Merci. Merci pour votre conférence qui était étonnante, intéressante et qui a remis, en tout cas pour moi, beaucoup de, en question beaucoup de préjugés que je pouvais avoir sur la sexualité à cette époque-là. Et comme M. Furdeus l'a dit, on va passer à notre habituelle séance de questions-réponses. Qui ouvre le bal? Allez, la première est toujours la plus dure. Bonsoir et merci pour la conférence. J'ai une question par rapport aux femmes romaines libres, donc que vous qualifiez comme qui doivent apparaître chastes vis-à-vis de la société romaine. En fait, c'est quoi les relations sexuelles entre le mari et sa femme? C'est purement pour la procréation ou il y a aussi des notions de plaisir là ou pas? Alors, les relations entre mari et femme sont très curieuses parce que, comme le corps de la matrone ne peut en aucun cas être érotisé, on sait, grâce à l'étude de texte, que ça a posé de très gros problèmes aux messieurs romains. Donc, on sait, de manuel d'éducation à l'usage des jeunes filles, que les jeunes filles doivent en permanence être maîtres d'elles-mêmes, maîtresses d'elles-mêmes. Et donc, on sait que dans l'acte sexuel, bon, les Romains ont beaucoup observé la nature, je vais essayer d'être clair, de comprendre au début. Donc, les Romains ont beaucoup observé la nature. Et ils se sont dit, puisque nos femmes sont honorables, que rien ne doit être plus honorable qu'une matrone romaine, il ne faut surtout pas qu'on copule avec la matrone romaine dans un but de plaisir. Donc il faut que l'on fasse l'amour avec elle uniquement dans le but de faire des enfants. Pour le plaisir, on a les garçons, les esclaves, il y a des esclaves en permanence, dans une société, dans une maison romaine, vous avez une centaine d'esclaves chez les gens riches. Donc on a des esclaves pour le plaisir, on a des prostituées pour le plaisir, on a des garçons pour l'amour. L'épouse sert uniquement à faire des enfants. Et donc, puisqu'il n'y a pas de plaisir entre le mari et la femme, eh bien, on a beaucoup observé la nature pour savoir comment on faisait des bébés sans dégénérer vers la pratique de l'acte sexuel dans le seul but du plaisir. Et donc, on a observé les animaux et on s'est rendu compte que tous les animaux que l'on étudie facilement à l'époque antique, c'est-à-dire les animaux domestiques, le chat, le chien, la chèvre, le cheval, l'âne, enfin tous les animaux qu'on peut connaître dans une ferme, on s'est aperçu que tous les animaux font l'amour dans la même position. Et donc, bien, on sait que chez les Romains, à l'époque impériale, la position classique pour faire l'amour dans un couple, la seule qui est considérée comme honorable, c'est l'épouse à quatre pattes, qui ne bouge pas, et le mari qui vient la couvrir en position de la levrette par derrière. Voilà, le plaisir féminin n'a pas lieu d'être, on ne s'en préoccupe pas, voilà, et ça va même beaucoup plus loin parce qu'on sait que dans la bonne société, les épouses restent entièrement habillées. Donc elles gardent leur soutien-gorge, elles gardent leur superposition de trois robes, les plus chastes vont même jusqu'à garder leur manteau, tout ce qu'elles font c'est retirer la petite culotte. Voilà, elles exigent aussi que le mari fasse l'amour dans le noir. On peut tolérer une lampe à huile, mais d'ailleurs, si vous regardez dans la plupart des maisons, alors ça se voit bien Pompéi Herculanum, dans la plupart des maisons, vous n'avez même pas de fenêtre dans les chambres. Donc le couple fait chambre à part, hein, de toute façon, ne se rejoint que pour l'amour, ben, que pour procréer. Mais donc le plaisir féminin n'a aucun intérêt, et donc on a même des auteurs qui racontent qu'en fait, ils n'arrivent plus à avoir d'érection avec leur épouse. Parce qu'elle ne bouge pas, elle ne réagit pas, ça fait partie de son éducation de base. Donc ça pose vraiment problème. Heureusement,
il y a des esclaves qui sont là pour entretenir la vigueur masculine. Voilà. Donc l'aide des esclaves est assez importante dans ces cas-là. J'espère avoir répondu à la question. Bon, maintenant, on sait que les maris ont des esclaves sexuels, mais les femmes avaient aussi des esclaves sexuels. C'est parce qu'on n'en parle pas énormément dans les textes, mais on sait que ça existait. Et donc on a retrouvé notamment un texte de loi qui dit que si tu surprends ta femme avec un esclave sexuel, tu ne peux pas punir l'esclave. L'esclave, il est là pour obéir à son maître ou à sa maîtresse. Donc l'esclave, il n'a en rien un comportement répréhensible. Par contre, à ton épouse, tu peux lui imposer, c'est des textes qui datent de l'époque impériale, par contre, à ton épouse, tu lui imposes un blâme. Si tu la surprends une deuxième fois avec le même esclave, dans la même position, etc., tu lui imposes un deuxième blâme. Si c'est un autre esclave, ça redevient un premier blâme. Et si c'est une troisième fois toujours avec le même esclave, parce que si c'est un autre, c'est encore un autre nouveau blâme, si une troisième fois avec le même esclave, dans ce cas-là, tu peux lui imposer une amende qui sera prélevée sur sa dot, puisqu'à l'époque impériale, les femmes ont la gestion de leur dot. Voilà. Donc on s'aperçoit que finalement, ça c'est ce que dit la loi, donc finalement les femmes devaient jouir aussi d'une relative liberté sexuelle. Bon, le problème c'est qu'on sait qu'il y avait de très grandes femmes écrivains, mais on n'a pas conservé leurs textes. Donc si un jour, à Pompéi ou Herculanum par exemple, on retrouve de grands textes, de grands romans écrits par des femmes, on va apprendre plein de choses sur la vie quotidienne des femmes et des enfants dans l'Antiquité. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Voilà. Tout ce qu'on peut reconstituer, c'est grâce aux lois ou grâce à des textes d'humoristes, par exemple. J'espère avoir répondu à la question. Ouais, ok. D'autres questions ? Allez-y, n'ayez pas peur. La société que vous décrivez est extrêmement différente de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Comment s'est fait le passage au moment du christianisme, j'imagine, et comment est-ce que les deux mondes ont pu se confronter à ce moment-là? Alors ça s'est très mal passé. En fait, c'est le christianisme a réussi à s'implanter, entre autres, en montrant que les gens étaient finalement en quelque sorte égaux. Donc les maîtres et les esclaves, et donc ils ont réussi à s'imposer en prouvant qu'un esclave ne devait plus accepter d'être asservi sexuellement au plaisir de son maître, et donc ça s'est très mal passé, évidemment. Il y a eu des... Ça s'est passé dans le sang, enfin, ça n'a pas été évident pour eux. Voilà. Après, bon, en fait, je pense que notre société a véritablement changé, parce que si vous regardez, par exemple, la société d'Ancien Régime en France, on s'aperçoit que pour les serviteurs, les valets, etc., bon, c'est quand même relativement courant de commettre l'acte charnel avec son maître, avec la personne qu'on sert. On s'aperçoit que notre société, elle a énormément changé à la Révolution française, quand on a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Parce que si les hommes sont égaux en droit, bah forcément, plus aucun homme ne peut être asservi au plaisir d'un autre homme. Et en fait, c'est ce qui a commencé à réduire le champ des possibles et à réduire toute cette liberté dont on jouissait avant. Parce que quand vous regardez, bon, avant, on n'a pas quand même pas énormément de problèmes. Bon, par exemple, l'homosexualité n'est pas véritablement condamnée. Ce qui est condamné, c'est le gaspillage de semences. Donc si vous le faites mais que vous ne jouissez pas, bon, c'est très hypocrite. Très hypocrite. Donc je pense que lors du passage au monde chrétien, il y a déjà eu un premier problème, puisque ben, forcément, on a lutté un petit peu contre l'asservissement. C'est les esclaves qui sont un petit peu devenus les maîtres. Et puis, ben, par la suite, lors de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça a achevé de tout consumer. Je pense qu'en fait, on vit dans une société qui réprime beaucoup plus la sexualité que dans le temps. Même si on peut paraître beaucoup plus ouvert d'esprit, on vit dans une société qui a vraiment tout cloisonné, tout fermé. Voilà. Oui. Pour faire un prolongement à la question de Mme Staquet, ici, je voulais savoir ce que vous pensez du débordement qui a eu lieu dans la ville, notamment Sibaris, sur Kornakopale. On a fait l'analogie avec Sodome et Gomorre, par exemple.
Je n'ai pas entendu le... Sybaris. Je ne connais pas. Ça ne me dit rien. C'est dans les... Comment ? Dans la région des Pouilles et tout ça, ouais. En Grèce, lors de l'invasion des Grecs qui ont constitué la Grande Grèce, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Et donc, que s'est-il passé durant cette... Ça a été assimilé à Sodome et Gomorre, en Israël, je pense, à Sodome et Gomorre. Ouais. Oui. Mais... Ça, oui. Oui. Ça, je ne sais pas. C'est possible, oui. Ça, c'était, disons, le grand défoulement général, quoi. Le grand défoulement général. Oui. De ce point de vue-là. Ah, mais oui. Ce n'est pas dans cette bataille où on a reproché aux soldats d'avoir violé même les femmes âgées, même les vieux hommes. Je ne sais plus. J'ai entendu parler d'une bataille comme celle-là. Même les bébés ont été violés. Et après, les soldats ont été condamnés par le Sénat romain. Mais je ne sais plus si c'est ça ou pas. Mais voilà, j'en sais pas plus. Dévelgondé. Un sybarite, ouais. C'est un dévelgondé. D'accord, je ne savais pas. Merci. C'est tout simplement. Est-ce qu'il existait une homosexualité chez les dominés ? On suppose que oui. On suppose que oui, mais à partir du moment où ils sont égaux, et où ils ont le même statut social, où ils appartiennent à la même tranche de la société, ça ne semble pas avoir posé de problème, puisqu'on n'a pas de texte de loi et on n'a pas conservé de compte-rendu de procès qui en parle. Donc, voilà, est-ce que ça a existé, qu'ils n'ont pas laissé de traces ? On ne sait pas. Est-ce que ça n'a pas existé ? On ne sait pas non plus, mais on suppose qu'il y en a eu, puisqu'on voit par exemple sur la coupe Warren, deux citoyens de même statut social... Qui ont un rapport sexuel. Or, cet objet était utilisé pour les banquets. Donc, on suppose que oui, il y en a eu. Il y en a eu. Mais après, il y a tellement d'esclaves, tellement d'affranchis, tellement de dominés, que bon, il y a moyen de trouver son plaisir avec les dominés plutôt que parmi les dominants. Mais on suppose qu'il y en a eu. Bon, par exemple, on sait qu'il y a eu, des couples de femmes. Parce que là, on a des textes qui l'évoquent. Donc on sait que des femmes d'affaires vivaient ensemble dans la même maison. Voilà. Bon, à Pompéi, on a aussi retrouvé des maisons qui étaient habitées visiblement uniquement par deux hommes. Bon, mais est-ce qu'ils étaient amants, est-ce qu'ils étaient frères ? On ne sait pas trop, mais voilà. On sait qu'on a des maisons qui étaient habitées uniquement par des hommes. Mais on n'a pas de texte qui évoque le fait proprement dit. Vous venez déjà un petit peu de répondre en partie à ma question. Alors, je suis arrivé un petit peu en retard, donc ça tombe, vous avez déjà répondu avant. Mais voilà, on a parlé beaucoup ici d'homosexualité masculine. Vous venez de dire qu'il y avait parfois des maisons aussi où il y avait des femmes qui avaient vécu entre elles. Vous avez fait allusion beaucoup à des textes de loi, à des exemples tirés de la littérature pour l'homosexualité masculine. Qu'en est-il à ce moment-là de l'homosexualité féminine ? Est-ce qu'il y avait aussi des lieux de rencontre ? On a parlé des bains avec des attitudes, si on était ouvert, si on n'était pas ouvert, etc. Est-ce que du côté féminin aussi, il y avait cette ouverture-là ? Ben, est-ce que ce n'était toléré, autorisé, est-ce que ça n'existait que pour les hommes ? Bien, disons que les femmes ne faisant pas partie de la classe des dominants, forcément ce qu'elles font intéresse peu la société, puisque une femme, si elle couche avec une autre femme, ne va pas asservir cette autre femme à son plaisir, puisqu'elles sont, des égales en droit. Donc le problème pour les femmes ne se pose pas vraiment. Bon, maintenant on a quelques textes qui évoquent effectivement des couples de femmes, toujours pour les diffamer, mais ce que les hommes ne supportaient pas dans ce cas-là, c'était surtout de voir des femmes d'affaires qui réussissaient. On est quand même dans une société machiste, c'est un monde d'hommes. Donc ce qu'ils critiquaient, ce n'est pas leur sexualité, c'est plus le fait qu'elles soient libres et qu'elles affichent cette liberté. Voilà, pour gérer notamment leurs affaires. Donc on ne sait pas trop, comme je viens de le dire, on n'a pas retrouvé de texte majeur écrit de main de femme qui contenait assez de lignes pour pouvoir comprendre le point de vue féminin de la société. Tout ce qu'on a, ce sont des textes écrits de main d'homme, toujours appartenant à la bonne société, et triés par les moines copistes. Donc on a en fait la vie de tous les jours des petites gens dans la rue, on n'en sait pas grand-chose. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est la vie de la bonne bourgeoisie, de la noblesse, et uniquement le côté masculin. Donc l'éducation des enfants, on ne sait pas grand-chose non plus. Voilà.
Plus de questions ? Sûr ? Même les élèves ici ? Alors, je pense qu'on peut encore une fois le remercier. Juste profiter encore une petite annonce publicitaire. La prochaine conférence qui a lieu, organisée par Ernst Haquet dans l'autre cycle, donc c'est l'art de la fourberie mentale, a lieu le lundi prochain. Ce sera les nombreux services de la manipulation par Jean-Jacques Drousbeck. Et alors, pour la prochaine conférence de ce cycle-ci, donc Regard croisé sur l'homosexualité, elle a lieu le 16 janvier et aura un volet plus scientifique, enfin, plus scientifique au sens propre du terme, Regard anthropologique sur l'homosexualité féminine et masculine de Chris Polis. Voilà, merci beaucoup.